Netflix met en ligne ce 10 avril sa nouvelle création française, la série Anthracite. Les créateurs de ce thriller ont répondu aux questions de Pure Media. Anthracite, le mystère de la secte des écrins, la nouvelle série française de Netflix, avec Camille Lou, Attic ou encore Noémie Schmidt, sort ce 10 avril sur la plateforme. Les deux créateurs de ce thriller, Fanny Robert, à l'origine de Profilage, et Maxime Berthemy, qui a également œuvré pour la série policière de TF1 avec Odile Villemain, ont répondu aux questions de Pure Media sur cette série et leur carrière. Maxime Berthemy, avec Fanny, on collabore depuis 10 ans. On commençait à avoir envie de créer une série ensemble. La première idée qui nous est venue, c'est le web sleuthing, comprendre, résoudre des enquêtes et des faits divers grâce au web et aux réseaux sociaux. Ça nous intéressait, on s'est renseigné sur le sujet. Je crois que c'était ça, la graine d'Anthracite au départ. Assez rapidement, on s'est dit. Qui dit web sleuthing, dit faits divers. On a réfléchi à un fait divers qui nous a marqué tous les deux. On s'est mis à parler de secte, de suicide collectif. C'est par ces deux biais-là qu'on a commencé à créer. Anthracite, le web sleuthing et l'univers des sectes. Fanny Robert, avec Maxime, on adore les faits divers. On aime réfléchir à la façon dont ils sont traités. Ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est la façon dont Netflix a recréé le true crime. Ça a été un fil directeur de notre réflexion. On en consomme beaucoup, on s'est rendu compte qu'il y avait ces communautés de web sleuthers qui existent sur tous les faits divers. Des gens s'intéressent à un fait divers et mettent en commun des photos, des vidéos, des réflexions, des hypothèses sur absolument tous les faits divers imaginables. Ça nous a passionnés. Certains arrivent à craquer des vraies cases, d'autres arrivent même à embrouiller la police et à créer des drames parce qu'ils ne sont pas enquêteurs.